Shout out to this Hendrix. I promise I swear, I'm there, baby. Yo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça va être un unboxing. Donc je rentre de Disneyland, je suis rentrée hier soir assez tard et dans ma boîte aux lettres j'ai retrouvé pas mal de colis. Je ne suis même pas coiffée à l'arrache, j'ai juste mis du mascara histoire de vous respecter un minimum. Mais du coup voilà, je voulais d'abord vous parler d'un site, je ne savais pas comment l'inclure en vidéo parce que je voulais pas faire une vidéo que pour ça. Il y a quelques jours le site Cineabo m'a contacté. En fait le principe de ce site c'est de partager entre guillemets des comptes Netflix, pardon, je vais y arriver, pour 4 euros. Donc pour ceux qui savent pas, Netflix c'est 10 euros par mois et je crois que ça va bientôt augmenter s'il me semble bien. Donc moi j'ai Netflix mais c'est grâce à un pote qui me partage son compte qui est un truc familial et du coup j'ai un petit profil pour moi, donc merci beaucoup si tu passes par là Bidou. Donc du coup je sais que c'est quand même assez cher, 10 euros par mois, qu'on n'a pas tous les moyens de se payer Netflix. Et voilà, c'est la seule plateforme de streaming légale, mais après sinon on fait comme moi très souvent, on regarde un streaming et on se vous y l'ordi qui vaut très cher. Donc du coup j'ai trouvé une petite alternative. Personnellement si j'avais pas Netflix j'aurais demandé à ma mère de me payer un compte à 4 euros, parce que moi je trouve pas ça cher. Après pour certaines ça va être cher. En fait le principe c'est vous partagez un compte Netflix avec une famille ou avec quelqu'un pour 4 euros par mois. Du coup ça vous évite de prendre un profil juste pour vous et de payer 10 euros par mois. Je trouve que c'est une bonne alternative et j'avais jamais entendu parler de ce genre de choses. J'avais juste entendu parler des techniques un petit peu douteuses, un compte Netflix, je vais y arriver, à 1 euro, qui a été piraté, etc. Enfin bon voilà, je ne prône pas ce genre de système là, mais du coup voilà, j'avais trouvé bonne de vous en parler en vidéo parce que je pense que ça peut aider certaines d'entre vous, ou voilà, en tout cas moi je n'avais jamais entendu parler, donc je voulais vous le faire découvrir. Du coup voilà, en étant transparente avec vous, c'est la première fois que je fais ça, je vais être rémunérée pour cette vidéo, donc du coup voilà, je ne sais pas si le site est d'accord ou pas, mais en tout cas je vais vous le dire, je vais être payé 5 euros pour 1000 vues. N'hésitez pas à faire des vues à la vidéo, merci. Non, je rigole. Il m'avait dit aussi de donner la possibilité de vous faire gagner des comptes Netflix, donc du coup j'ai dit que c'était juste top et que voilà, c'était très gentil à eux, donc je vous donnerai des consignes par rapport à ça. Tout sera répertorié en description si j'ai oublié quelque chose. Donc du coup le premier colis que j'ai là, donc c'est, je pense que c'est un truc pour Billy, donc mon poisson, n'hésitez pas à le suivre sur Insta, son compte sera juste là, il a bientôt 5000 abonnés, donc n'hésitez pas, il faut qu'on dépasse le chien d'Astrid Nelsia, putain j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Donc du coup je pense que c'est une petite statue. Hop. Oui c'est ça, j'espère qu'elle est pas trop grosse parce que j'ai un petit bouc. Oh elle est trop bien. Donc, je crois que je l'ai payé vers 3 euros, 4 euros, un truc comme ça, de bonne qualité. Je l'ai pris sur eBay, c'était des trucs vraiment chinois, pas cher, avec très peu de photos, de descriptions et d'avis. Du coup je savais pas trop dans quoi je me lançais, mais du coup voilà, pourquoi pas, elle est jolie. Deuxième colis, je crois que c'est de Néjoli, parce qu'il y a environ un mois il m'avait envoyé un mail à me dire de choisir 10 euros je crois sur le site, un truc chinois. Donc vu que j'ai rien commandé de Chine, je n'ai rien, je pense que c'est ça. Je crois que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est des petites limes à ongles, parce que du coup j'ai recommencé à laisser pousser mes ongles maintenant que je fais plus de volets. Du coup voilà, c'est des petites limes à ongles. Il y en a 10, après il y avait des paquets de 20, de 50, de 100. Moi j'ai pris le minimum parce que ça suffit. Et je crois que ça coûtait moins de 1 euro. En tout cas je vous mettrai le prix à chaque fois. Ah oh oui. C'est des petites gommes animaux. C'est trop chou. En fait c'est des gommes et genre il y a un dauphin, il y a un nounours, une girafe, un lapin et encore un ours. Du coup j'en donnerai un à ma soeur. Oh, ah oui j'avais oublié ça. Oh mon dieu mais quelle arnaque. Enfin je rigole hein, genre c'est pas une arnaque. Bref en fait c'est une sorte de tige en fer. Attendez je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est genre à contracter et c'est pour vous épiler ici à ce niveau là. Il paraît que ça fait très très mal, mais pourquoi pas. Alors là je sais qu'il y a une encre à lèvres dedans, si je me rappelle bien. Enfin plusieurs encres à lèvres et un vernis je crois. Mais j'avais oublié, j'ai monté. Regardez ma tasse comme elle est trop mignonne. Je l'ai achetée à Disneyland, elle est trop bien. Je vous mettrai mon vlog en description si ça vous intéresse. Voilà, qu'est-ce que c'est?
Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris déjà? Je m'en rappelle plus du tout. Mais je m'en rappelle pas du tout avoir pris ça. Je pense qu'ils se sont trompés. Packaging, c'est le plus simple du monde. Elle est sympa, mais je m'en rappelle pas du tout avoir pris ça. Non, je l'ai jamais pris, mais bon, merci. Je suis bien contente. Ah, mais ils ont dû me rajouter des trucs que j'avais pas commandé, ça doit être ça. Mais c'est très bien, merci les jolies. Longue tenue, music flower, il y a écrit flower, c'est trop bien. Attendez, est-ce qu'il est violet? Ah, il est marron. Ah, ben ça va alors. J'avais peur qu'il soit violet. Le packaging, il est super beau, genre. Enfin, il est simple, mais en fait, c'est comme un peu un velours. Je sais pas si vous voyez le truc. Trop cool. Une encre à lèvres. Donc, c'est la même marque que mon encre à lèvres bleue que j'avais pris sur Shein, mais New Chic ou un truc comme ça. Et du coup, ben, quand j'ai vu des encres à lèvres et que j'ai vu qu'il y avait cette marque et vu que ben, je l'ai déjà testée plusieurs fois et qu'elle est bien, ben, j'ai pas voulu m'aventurer dans des trucs. Voilà, elle, je savais très bien qu'elle allait être de bonne qualité. Il y en a une deuxième, c'est pas de la même marque, mais je sais que mon amie Marie en avait commandé il y a très longtemps. J'ai jamais mis ce genre de couleur. C'était plutôt du violet foncé qui tirait vers le rose, mais jamais cette couleur-là, donc je testerai. Ah, il y en a une autre, donc c'est la même marque ben, du coup que la première, la toute petite. Mon rouge à lèvres mat. Donc lui, il est longue tenue aussi. Donc c'est pas du tout le même packaging que les autres. Lui, je l'avais jamais vu. La couleur, elle me plaît pas trop premier abord, mais je testerai quand même, pourquoi pas. Ensuite, j'en ai un autre. Je voulais vraiment une encre à lèvres marron parce que j'en ai qu'une seule de chez Black Up. Et en fait, elle va dans les plis ben, de la lèvre et elle sèche. Du coup, je me suis dit la prochaine fois que je peux, je prends un rouge à lèvres marron. Et du coup, c'était le cas. Du coup, je suis contente. Et voilà. Attendez, je bois un coup. Ah, voilà, mon petit vernis blanc. J'espère qu'il n'est pas transparent. J'espère qu'il est mat. Révélation, oui, trop bien. Genre, je sais pas si vous voyez, mais les vernis blancs, ou quand vous le mettez, ça fait juste comme un top coat quoi. Maintenant, nous allons ouvrir ce colis. Je pense que ça vient de Doctolib. C'est le style de colis qu'ils envoient. Je pense que c'est un parfum, et si c'est le cas, je vais pas vous en parler parce que je dois juste faire un post Instagram. Ah oui. Ça j'avais oublié, j'ai cru qu'il avait même pas expédié. C'est un mascara de chez Kiko. Là je crois qu'il coûte une dizaine d'euros. Et du coup je suis contente, ben, j'ai deux mascaras. Du coup voilà, merci Octoly. J'ai reçu un gant démaquillant de chez Yves Rocher. Je voulais vraiment tester les gants démaquillants parce que si ça peut m'éviter d'utiliser trop de coton. Ensuite là c'est un truc de Chronopost. Alors je sais pas du tout ce que ça peut être. Les deux derniers colis, je n'ai absolument zéro idée. Alors là c'est un colis hyper léger. Et ça, c'est un colis lourd, donc je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui! Oh putain, ça j'avais oublié parce que ça fait des mois. Enfin, non, j'exagère. Ça fait des semaines que je l'attends. J'ai complètement oublié. C'est un lot de produits Aderma. J'ai exactement la même chose là en face de moi que j'ai pas fini du tout alors que je l'ai reçu il y a hyper longtemps. Mais je voulais vraiment le reprendre parce que c'est des produits quand j'ai vraiment beaucoup de boutons, je les mets et ça va de suite mieux. Donc en fait il y a un gel moussant purifiant micellaire. Du coup ça c'est un soin pour le visage, je vais vous montrer. Je l'ai déjà. Oui voilà, j'en ai une de nuit et une de jour et elle est vraiment super bien. Ouvrir ce dernier colis, ben, je pense que ça va être le parfum parce qu'il est marqué fragile, donc je sais pas. Oui, c'est mon petit parfum. Donc c'est un parfum de la marque Mazaki. Du coup la boîte elle est trop mignonne. Je sais pas si vous allez voir. Du coup voilà, je vous ferai pas de close-up ni rien parce que tout se passera sur Instagram. 40 ml c'est déjà pas mal. Ah non ça va, c'est pas trop fruité. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez voir plus d'unboxing, chose qui ne sera peut-être pas possible parce que quand je reçois un colis, je peux pas m'empêcher de l'ouvrir directement. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye. Y'a jamais de pénurie. J'fume le H de mon ceinturon. Tout est noir dans mon écurie. Sur la